Et bonjour Internet, bonjour à tous, ici Casabania, bienvenue en vidéo, vidéo gameplay découverte sous Treasure Hunter Simulator. Alors, ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est qui a fait ça d'ailleurs? C'est Drago Entertainment qui sort plein de simulateurs en tout genre, plus ou moins rigolos, plus ou moins burlesques. Je crois qu'ils ont fait un Car Mechanic Simulator, ils ont fait un TIFF Simulator, simulateur de vol, hein, tout simplement, de voleur. Ils ont fait des trucs assez horribles comme Junkyard, c'est un simulateur où tu gères un terrain vague, t'as le Bum Simulator, il me semble aussi, où t'es un clodo. Bon, il y a des trucs plus ou moins éthiques, on va dire. Et là, donc, ils ont sorti Treasure Hunter Simulator, c'est dans les 13-14 € sur Steam, c'est sorti en décembre 2018, et on va se tester ça, tout simplement. Alors, c'est la première fois que je le lance, hein. Donc on va lancer le mode histoire qui vous permet apparemment de pouvoir écoutez, accepter des contrats de chasse au trésor. Alors juste, on va faire un petit truc vite fait, c'est changer la sensibilité de ce bazar, histoire de se mettre bien, hop, voilà, on devrait être pas trop mal. Zou, voilà, on est un peu mieux. Alors là, je suis dans mon bureau, très bien, je peux interagir avec l'application Treasure App. La carte. Quand tu ouvres l'ordinateur, la carte constitue la vue principale. Elle te permet de définir la destination de tes prochaines aventures. Pour l'utiliser, il suffit de sélectionner une épingle sur la carte du monde et appuyer sur Aller. En partie, tu peux lire les informations supplémentaires sur le lieu dans lequel tu te rends en allant sur le panneau d'informations à droite. Ok, j'ai deux choix apparemment pour le moment. Oups, excuse-moi. Gettysburg en Pennsylvanie, USA, ou le lac bavarois à Alatsi en Bavière. Alors les amis, qu'est-ce qui vous branche le plus? Moi, je serais... C'est vrai que la Bavière, c'est beau hein, quand même. Hein. Alors, je vais quand même regarder dans mes emails. C'est ta boîte d'emails qui t'offre des offres d'emploi. Elles sont divisées en deux catégories. Les emplois secondaires. Donc, les emplois qui font avancer l'histoire. Et les emplois supplémentaires, c'est pour gagner plus de trucs. Ok, très bien. Message. Ok. J'ai des offres d'emploi secondaires. Ok, très bien, bonjour, ça fait que vous allez bien, et là, trouve et prends une photo de Venerka Spikita, ok. Ah, t'as plein de petits trucs comme ça à faire. Ah, nous cherchons activement l'aide d'une personne hautement qualifiée, veuillez trouver les informations de joint, trouve le chemin le plus rapide de la rivière, lac bavarois, Gettysburg. Ah, j'ai un truc là pour Gettysburg, je pense qu'on va aller au States. Je suis activement en contact avec plusieurs propriétaires de petites entreprises de la région qui proposent des emplois bien rémunérés. Nous vous contacterons à profil correspondant aux exigences. Je vais trouver les détails de l'emploi 6 juin. Prends une photo du monument avec le canon à côté de l'entrée à droite. Alors, un monument avec le canon et la photo du monument principal. On va accepter, on va aller à Gettysburg. On va accepter ça, je pense que c'est faisable. Lac bavarois, pour le reste, emploi. Lac bavarois, on s'en fout pour le moment. Et ça, bonjour, mon nom est Johan Schmidt, et je vous écris en tant que représentant de la société Willpower. Nous avons le regret de vous informer que votre oncle, Sir Richard Clapperton, est décédé. J'envoie ce message pour informer que nous entamons la procédure d'héritage. Selon les vœux de Sir Clapperton, je transmets également votre SML à un nombre sélectionné de contacts qui suivront différentes dispositions suivant sur le testament. D'accord? Dans un an à partir d'aujourd'hui, ces personnes devront fournir un bilan complet de vos actions, et en se basant là-dessus, nous pourrons vous remettre la part de l'héritage. Ah, d'accord. Donc, en gros, j'hérite de mon oncle, qui devait être un aventurier, et il va falloir que je fasse plein de petites aventures et découvertes pour que... pour mériter, en gros, pour mériter, voilà. Pour mériter mon héritage. Ok, détecteur, ok. Oula. Analogue et digital. Ah, merde. Bon, j'ai pas de quoi les utiliser. J'ai pas de quoi les acheter, de toute manière. J'ai pas de truc avec 20$ en cash. J'en ai déjà un. C'est le Gemar LB 1019MK. Bon, très bien. On va aller là-dessus. Et ma collection, c'est les trésors. J'en ai aucun. Ok, c'est parfait. On va aller aux États-Unis d'Amérique. Ah, bah non, j'ai pas assez d'argent. Donc, je suis obligé d'aller en Bavière. Donc, on recommence. On va là. On va regarder dans les mails. Nettoie la zone de l'Alt-Sea. Je m'appelle Robin Hewitt et je me présente à l'Institut d'archéologie. Je vous écris grâce à notre ami commun, Johan Schmidt. Nous n'avons pas de poste à pourvoir, mais si vous souhaitez établir une relation de travail plus étroite, j'aimerais vous offrir un emploi. Installer un corps dans l'archéologie, il faut laver le coin. Bon, on va accepter, hein. Je sais pas comment ça marche, mais on va le faire. Ensuite, les botanistes. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, photo de Veronica Spikitik. Ah, c'est des... faut prendre des photos de plantes. Oh, trop bien. Alors, faut que je prenne une photo de ça, d'une Veronica Spikata. Ça ressemble à une espèce de... pas de lavande, c'est assez étonnant, avec des feuilles de menthe autour, bon, ok.
Ensuite, une Viscaria vulgaris. Oh là là. Merde. Alors moi qui aime pas trop ça, la botanique. Et un Trifolium pratense. Ok, on va accepter ça. Et enfin, trouve le chemin le plus rapide de la rivière au village du haut. On va accepter tout, hein. De toute manière, on verra bien. J'ai un point de prestige. Alors, lieu Alatzi, Bavière. Bien que rien d'excitant ne soit arrivé là-bas, le lac Alatzi, le lac Alta, Alat, pardon, est l'un de ces endroits que tous les chasseurs de trésors ont dans le radar. L'une des raisons de cette réputation, selon le groupe de personnes sélectionnées, est la rumeur selon laquelle il serait le lieu de repos de l'or de Adolf Hitler. D'un cause quoi probablement faux, comme en témoignent les nombreux plongeurs qui tentent de le trouver en vain. La région est connue pour ses découvertes intéressantes, que ce soit celle datant de la Première ou Seconde Guerre mondiale. Avec le casque à pointe de Pickelhelm, allemand serait certainement un ajout intéressant à n'importe quelle collection arceaux. Frais de voyage gratuit, allons-y. En Bavière. Oui, je sais, je fais l'accent allemand, je suis du talent d'imitateur. Et nous voilà donc au lac Altar. Donc faut pas oublier qu'on doit prendre des photos. C'est quoi? C'est ok, W pour prendre des photos, ça marche. Des photos de trois plantes différentes en mission secondaire. Alors, comment ça fonctionne ce bordel? Là, c'est l'entrée du lac. Il n'y a pas de trésor à proximité. I comme inventaire, j'ai rien. Ok. On va se promener. Alors, le clic droit, normalement, te permet de sortir ton bordel, mais comme il n'y a rien à trouver. Alors, n'oubliez pas que on doit trouver des plantes aussi. Est-ce que M comme map? M comme map. Ok, je suis là. Vous, objet historique, balise, trésor trouvé. Et ben, on va aller vers les objets historiques, hein, on va se promener. Petite musique posée, petite ambiance bucolique et champêtre, c'est plutôt reposant. J'aime ce genre de jeu. Reposant, c'est le terme. Ah, là, ça sent le trésor là. Vous sentez le trésor là? Je suis en train de fouiller partout, mais je sais même pas comment je sors ma pioche là, mon bordel. Bon, pas grave. Par contre, faut gueuler. Alors, ça y a un truc. Ça veut dire qu'il faut lire. Ah, ça veut dire qu'il y a un trésor ici, peut-être? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Épreuve de temps, tu es dans une zone de départ de contre-la-montre. Si tu veux commencer la contre-la-montre maintenant, puis sur oui, sinon sur non. Ah. Allez, zou. Ah merde. À mon avis, c'est pour aller le plus vite possible au monument là. C'est ça hein, qu'il fallait faire. Ah merde, non, bah non, il me dit qu'il y a un truc ici. Bon, bah on va abandonner l'épreuve de temps. Ouais, je... Et puis... Ok. Deux pistes par là. Ah, là, ça... Il y a un truc dans le coin, il y a un truc dans le coin. Bon, l'épreuve de temps, ça me casse les doigts là, par contre. Bon, c'est pas grave, ça tourne pour rien. Ah, case à la poêle à frire, c'est par là, c'est par là, c'est par... Ça sent bon là. Ça s'énerve, ça s'énerve. Bon, j'ai raté l'épreuve de temps, c'est pas grave. Ça s'énerve, ça s'énerve, ça s'énerve. Ta-da! Une mitraille de bordel. Ça s'énerve par là hein, encore. Hein. Allez, boum, on y est. Allez, on sort la pelle. On creuse. Mais que va-t-on dénicher? Oh, une crotte de nez fossilisée. Qu'est-ce que c'est? Un vieux bouton de rareté inconnu, inconnu, inconnu. On va l'identifier. Oh, comme c'est bien fait. C'est un bouton en laiton ancien. Il semble qu'il appartient à une sorte d'uniforme, arrangé par le matériau et la méthode de fabrication. Il s'agissait le plus probablement d'un uniforme de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. C'est une bonne découverte de type trésor, rareté normale en métal autre, état médiocre, valeur 25$. J'ai pas venu pour rien. J'ai trouvé une merde à 25$. Allez, ça clignote encore pas mal dans le coin.
On va continuer notre découverte. Ça sent bon par là. Un peu plus à gauche, là, ça sent très bon même. Là, tu vois, ça sent le casque à pointe, là. Ah, c'est peut-être plus là. Ah oui, même plus ici, là. Le casque à pointe, le casque à pointe, le casque à pointe à 400 balles. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Donc, si on a trouvé un vieux bouton, là, c'est quoi? Un bout de ferraille. Ouh là, ça a l'air d'être un truc à la con, ça, encore. Un morceau de métal, de forme étrange. N'a pas vraiment de valeur. Eh ben non. Non, ça c'est une connerie. Tige de métal. Équipement de camping sans valeur. Bon, bah ça, on le balancera. On le vendra. On le vendra pour le matériau. Pour matériau. Alors, bon, on va se promener. Alors, au niveau de la map, on est où? Ouais, c'est pas mal. On avance. Ah. Ah, allez, on est gourmand. On entend les mouches tourner, tu sais. On est gourmand par là. On est gourmand par là. Ah, on peut se déplacer en même temps. Bah oui, ah, c'est mieux. Ah, c'est pratique ça, je savais pas. Ah, tu peux te déplacer tout en faisant ta trottinette là. Électrique, c'est quand même mieux. Ratisser beaucoup mieux, c'est par là, je suis dessus, boum. Alors les boys, un truc qui sert à quelque chose, un truc utile, un truc qui me fait ramener masse fric. Attention, ou une épingle à nourrice, une vieille canette. Oh, ça sent le truc d'une vieille canette, ça. Oh, de la merde. Un autre canette, $1. Oh, les salopards. Ah, ça me fait la mission nettoyage. C'est déjà ça. Allez. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Allez. C'est vrai qu'on a la mission nettoyage. Oh merde, encore un vieux truc pourri ça. Ça, c'est une merde en... Une merde qui sert à rien. C'est effectivement un mousqueton, une merde qui sert à rien, mais qui doit, je pense, me compléter ma quête nettoyage. Voilà, bien. Ok, très bien, on continue. Tout en gardant l'esprit qu'on doit prendre encore des photos de 3 plantes. Tout. Ah, ça serait pas une des plantes qu'on doit prendre en photo. J'ai pas l'impression, mais on va prendre en photo quand même. Hein. Ça a pas l'air de valider rien du tout, donc à mon avis, c'est pas ça. Il y a des papillons. Est-ce qu'on n'irait pas... Ah, là ça s'énerve. Là ça s'énerve bien. Allez mon grand. Là tu me le sors ce putain de casque à pointe. Eh oui bonhomme. Alors. Oh, un vieux briquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mousqueton encore. Bon, allez, 3 sur 5. Alors, autant ma première découverte me faisait plaisir. Oh, l'espèce de bouton d'uniforme, ça avait de la gueule, je trouve. Au niveau historique, ça faisait stylé. Mais alors là, on a un manque de chance terrible. On a un manque de chance terrible, on ramasse que des déchets. Mais je pense que ça va être le quotidien du chasseur de trésors qui doit en ramasser des merdes. T'as déjà vu l'été là sur la plage les mecs avec leur poêle à frire là qui ramassent des pièces de 10 centimes? Qu'est-ce que ça? Oh, une sardine de tente, un vieux clou, ça c'est fait. Ah, doit être, je pense, à 4 sur 5, voilà, sur les objets pourris collectés. On va continuer un petit peu, puis on va aller vers les lieux historiques. Il y a peut-être plus de chances de trouver des trucs historiques près des lieux historiques. Après, bon, pas forcément, mais ça
nous fera faire une petite visite. Une petite visite culturelle de ce lieu, qui est le lac Alatsi. Allez, là on y croit. La boussole, qui date de 1885. Ah, ça, toi, c'est une boule de pétanque, ça, merde. C'est un truc au but, tu sais, hein, carouillé depuis 15 ans. Une petite balle ronde en plomb provenant probablement d'un mousquet. Ah, c'est une balle, là. Et ben voilà, ça a quand même un peu plus de gueule. Cette balle est un projectile utilisé dans les mousquets. Compte tenu de sa taille, il pourrait s'agir des premiers mousquets ou même d'une arquebuse, une arme à feu antérieure au mousquet. Ça veut dire qu'elle peut dater au plus tôt du 15e ou au plus tard du 17e siècle. Le projectile des mousquets s'appelle une balle. Trésor, rare, bon état, 31$. Bah c'est plutôt bien ça. Voilà, un truc sympa, un peu plus historique que... Bon, je crois que c'était... Vu de là où j'étais, j'ai l'impression que c'était une boule de pétanque. Bon. Ce mec il chasse le trésor en Provence, il trouve que des boules de pétanque. Allez, là on a un filon là. Là on a quelque chose. Là on a les bons... Ah, un vieux clou, ce qui fait que notre mission de nettoyage de la zone est bonne. Alors, il te met en gros prendre une photo. Regardez. Voilà. Ah, bah c'est trop facile du coup, c'est pas drôle. Bon, ça marche. Faut que je prenne aussi... Non. Ah, peut-être comme ça alors. Ok, botaniste, ça c'est fait. Ok. On va longer ça. On va aller vers la petite baraque, tu vois, tranquillou. Petit poisson. Tout est petit ici. Petit poisson, des petites baisons. Des petits clous, des petites balles. Ah, là-bas, j'ai encore un truc à photographier. On va aller voir, mais avant, l'appel du loot, l'appel du trésor, Indiana Jones. Allez, c'est là que ça se passe, mon grand. Mitraillette. Et faut pas être épileptique non plus, hein. Ça fait un bordel, ce truc-là. Ça me paraît pas mal. Ça, y a moyen, c'est un truc pas dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un vieux collier, il a l'air d'avoir de la valeur. Alors, cet ancien collier date de l'Europe du 18e siècle. Étant donné sa nature personnelle de l'objet, il s'agit probablement d'un vieil héritage familial perdu par un soldat pendant une guerre. Car les chances de perdre ou d'égarer des tels bijoux sont plutôt faibles. Étant donné les conflits passés dans cette région et le nombre de soldats européens qui ont combattu ici, c'est le plus probable. Ah. Trésor rare en fer, 16$. Et bah, moi je suis content. Est-ce que j'ai. Donc, ça c'est mon inventaire, j'ai quand même pas mal de merde, hein. C'est cool. Alors, on va prendre la photo là, ça sera fait. De la Viscera Communus Umbilicus Troubadour. Troubadus. Hop là. Voilà. Et là, les amis, vous le sentez comment, le casque à pointe? Alors, j'ose espérer que tout ça se fait de manière aléatoire, que tu trouves pas à chaque game les mêmes trucs au même endroit. Non, je pense pas quand même, ça serait vraiment abusé. Oh, un vieux clou! Je vais pouvoir le mettre dans ma boîte à outils. Un vieux clou. Ça clignote encore. Par là. C'est là. Je commence à être un pro de la poêle à frire. Donc, on va récapituler tout ça. On a trouvé une balle. Oh, ça, c'est quoi ça? C'est pareil, c'est un vieux piège à ours. C'est un truc de bricolage, c'est quoi? Une attache métallique. Ouais, donc une vraie merde.
On a, récapitulons, ce qu'on a trouvé de bien, c'est un bouton d'uniforme de soldat, une balle de mousquet, on a trouvé aussi un collier familial. Et là, on va tomber sur l'or d'Adolf Hitler. Ou pas. Une merde en plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Prendre un vieux bouton. Dégueulasse. Bon, pas de bol. Je sais pas, je le sens pas ici là. On ramasse pas des trucs sympas là. On va bouger. On va bouger. On est là. On va aller ici. Donc, lieu historique. C'est quoi ça? C'est les anciennes cabanes en bois là. C'est chouette, c'est sympa ici. C'est mignon comme tout. Oups. Voilà, donc on continue notre petit tour. On va aller vers l'autre lieu historique qui est en haut à gauche. On va suivre la petite montée tout en ramassant d'éventuels trésors. Plus haut, par là. Allez, allez. Attention, attention les yeux, les amis. Oh, un vieux boulon. Je vais pas aller loin. Hein. Heureusement que c'était gratuit le voyage jusqu'en Bavière, parce que putain. Je prends. J'ai plus l'impression d'être un. Collecteur de. D'objets à me foutre à la poubelle que de trésors pour le moment. Mais c'est ce qui fait le charme du métier de chasseur de trésors. Par contre, ça a l'air sympa ça. Ça manque un petit peu de musique de fond. Tu vois. Il n'y a pas assez de musique que je trouve. Et bah non, c'est un vieux bouton dégueulasse. Quoique, on va pouvoir l'identifier. Il est peut-être pas si dégueu que ça. Bon, c'est un bouton français, ça, non? Enfin, de l'armée française. Alors, bouton en fer, 31$. Ce bouton est très ancien. En effet, les matériaux et la technique de fabrication et l'ornementation suggèrent que ce bouton particulier remonte au 14e ou 15e siècle en Europe. Les boutons ont déjà été utilisés dans la Rome antique, mais il existe des exemples encore plus anciens comme ceux de la Chine vers 2000 avant Jésus-Christ. Les boutons les plus anciens sont censés avoir plus de 5000 ans, fabriqués à partir de coquillages courbés dans la vallée de l'Indus. Et en plus, on apprend des choses, c'est pas mal. Allez, encore un truc dans ma collection qui est pas dégueulasse. Je commence une petite collection. Pas piquer des hannetons, comme ils disent, hein, les jeunes de maintenant. C'est par là, c'est par là, c'est par là. C'est par là, cave. C'est par là, c'est là. Voilà. Ah, impossible de creuser à partir d'ici, je suis un peu trop décalé. Voilà. J'ai l'impression d'entendre des bruits de bêtes des fois au loin, genre. Ouh, ça, ça brille. Oh, ça, c'est une balle. Une balle de chasse ou une balle de. Une vraie balle. Ah, une douille de fusil massive provenant probablement d'une cartouche de 50 BMJ. C'est sans aucun doute une douille de la cartouche massive 50 BMG. Compte tenu de son emplacement, elle date probablement de la Seconde Guerre mondiale où elle était pour la première fois utilisée à grande échelle, conçue pendant la Première Guerre mondiale par John Browning, hein, pour être utilisée dans les armes anti-aériennes. Elle a rapidement été adaptée en d'autres usages tels que les armes aériennes, les armes navales ou la mitrailleuse Browning M1921. La cartouche 50 BMG fait partie de tous les conflits majeurs depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une des cartouches les plus connues et les plus reconnaissables au monde. Voyons. Voilà. 31$. Alors, ce qui est super intéressant avec ce petit jeu, hein, c'est pas non plus complètement dingo comme jeu, mais c'est assez rigolo et sympa, c'est que t'apprends des trucs. T'apprends des trucs et c'est pas dégueulasse, tu vois. C'est pas juste ramasser une merde en plastique qui vaut 50 balles. Là, tu t'apprends des petites choses, c'est pas mal, je trouve. C'est sympa comme concept. Ça mélange l'utile
ou culture, pseudo-culturelle, à l'historique. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Oh, un vieux clou. Sacrée collection de clous. Alors, on continue. Ah. Allez, moi je dis on est sur une bonne lancée là. Moi je dis on est sur une bonne lancée. Là j'agite le gros. Les lingots, c'est maintenant. Alors, you. Ah, bordel. Ah, j'ai du mal à le trouver celui-là. J'ai du mal à le trouver celui-là, mais je l'ai, c'est bon. Oh, ça sent une capsule de. Oui. Juste une capsule de. Une canette, une capsule, ouais. Déception. Il y a des bruits d'animaux partout, c'est horrible. C'est ça qui me fait flipper, moi, dans la forêt. Si tu tombes nez à nez avec un ours. Bon, un ours bavarois, il a pas l'avoir des masses des ours en Bavière, je pense. Hein. Je pense pas. Peut-être des loups. Même pas. Pas sûr. Est-ce que c'est des coins du monde où. Le loup et où l'ours est encore implanté, j'en doute énormément. Ah, ça peut être sympa, ça. Ça peut être une vieille clé, une vraie vieille clé sympa. Ouais, une vieille clé, allez, on va l'identifier. Clé en fer détérioré, ouais, non, bof. Cette clé est en fer, elle date du 19e, et en jugé par sa taille, sa tige, ses garnitures et ses panetons. Oh, les panetons, ça doit être ça, je pense. Ou je sais pas. Cette clé est utilisée plutôt pour un cadenas ou une serrure de tiroir ou de petit meuble. Le plus ancien dispositif de serrure et de clé connu a été découvert dans les ruines de Ninive, dans la capitale de l'ancienne Assyrie. Oh putain, toute culture. Et puis on va terminer notre petite exploration par ce dernier lieu culturel. Je sais pas comment après comment on se barre d'ici. Emploi, botaniste, il m'en manque plus qu'un. Et ça c'est fait. Après il photo, ok. Donc il manque plus qu'une plante à prendre en photo, à falloir la trouver. Oh, ces bruits de bestioles, laisse tomber, c'est l'angoisse ce coin pourri là. Faire attaquer par un ours moi. Je vais vouloir me piquer mes trois capsules le bordel. Allez, c'est par là. Ça c'est des cerfs, hein. le brame du cerf, c'est le cerf là quand il a envie de pécho, alors il gueule. Heureusement, je ne suis pas une biche. Allez là. Allez. Mais y a rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bouton? Ah, celui-là j'ai déjà, celui-là. On va l'identifier, mais je l'ai déjà. Il est de meilleure qualité, non? J'ai pas mes hippettes. Je prends. La 46e division. Aéroportée. Blah. Bon, il manque toujours cette plante que je trouve pas. On va essayer de la trouver après quand même. Ça serait bien avant de repartir. Ça a l'air d'être une capsule, non? C'est pas ça. C'est une capsule. Bon, c'était pas fameux, hein, ce run. Enfin, quoi que, on a fait des belles découvertes. Quelques découvertes sympas quand même, hein. Faut pas se... Alors voilà. Après, tu mets du fric de côté, tu t'achètes des poêles à frire de meilleure qualité, tu peux creuser plus loin, du coup, et plus tu creuses loin, et plus tu peux trouver des trucs, je pense, uniques. Pas oublier que nous sommes novices encore hein, dans le métier et ça c'est l'air pas mal. Non, c'est un truc de canette. C'est un anneau de canette, donc c'est de la merde. Bon, on n'a pas trouvé la plante là. Où est-ce que ça peut être? Arceau? Qu'est-ce que ce bordel?
J'ai des très mauvais souvenirs, moi, des jeux où tu... Ah, là-bas, la plante, ça. Des jeux où tu marches dans la forêt, genre Slenderman, toutes ces conneries-là. Non, 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 pas mon délire. Allez, on va quand même se faire un petit dernier, là, sur la route, là, tant qu'à faire. On y croit. Je pensais, je pensais, je pensais. Ah, je me fous dedans là à chaque fois. Attends, attends, dans ce sens-là, ça sera peut-être plus simple. Ok, let's go. Une douille. Une autre douille que l'on ne connaît pas, celle-là. C'est une nouvelle douille. De 45, de pistolet. Oh. Douille pour cartouche de pistolet 45 ACP, datant de très probablement de la Seconde Guerre mondiale ou de juste après. La cartouche de pistolet 45 ACP a été conçue en 1905 par John Browning et a acquis une énorme popularité grâce au pistolet M1911 de Colt, l'arme standard des forces armées des US de 1911 à 1986. Le Colt 45, le fameux Colt 45. Alors attends, 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 parce que là on s'enflamme, j'ai des photos à prendre ici. Voilà. Et là on a tout. Là on a tout. Je vois qu'il y a un dernier truc qui clignote là, on va se le faire. Hop là. Ah. Ça me dit rien, c'est quoi ça? Une douille encore, non? C'est quoi? Encore une nouille, tiens, de 50, voilà, une nouille de 50 BMG, ça on connaît hein, déjà, on connaît, on prend. Qualité, moyen. Et puis on va repartir, on va retourner au bureau, voir ce que ça donne, vendre un peu tout ça, faire le point, on va sortir de la map. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne ensuite quand t'as fini ta mission, sur ce du fric. Du pèse, du flouze, tout ça, tout ça. Bon, il y a encore plein de points à découvrir, hein, je pense. Ouais, ça arrête pas de clioter un peu partout. Enfin, de chanter, de faire du bruit. Mais on va rendre notre... On va retourner à la base, retourner au bureau. Avoir un petit compte-rendu récapitulatif de nos trouvailles. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était là, oui, c'était là. On va rentrer à la maison. Yavol. Ah. Il n'y a pas de trésor. Oui, comment je rentre? Comment je rentre chez moi? Retourner au bureau. Tout simplement. Il faut pas te faire chier à revenir à pied à l'entrée. Ok. On va ouvrir le trésor. Trésor. Ah, prestige augmenté. Tu as augmenté tes prestiges grâce à tes découvertes. Je suis en rang 2. Ça, c'est mon cash. 33$. Ah merde, c'est nul. Collection. Alors, ça, on va le garder. Ce vieux bouton en laiton. Détruit. Moi, il me plaît bien. C'est ma première trouvaille. Ça, c'est de la merde. On va vendre. Ok. Ça, c'est pas mal. Hein. Une balle de mousquet, on garde. C'est historique. Le collier, on garde. Il y a un côté historique aussi. Le bouton de fer. Ça, il est bien, celui-là. Il est beau. L'aidou de 50 qualité. Bonne. On va la garder. Clé en fer. On va la garder. Bouton en laiton détérioré. Ah oui, ok. Et ben on va vendre celui qui est détruit. Voilà. Et on va garder celui qui est détérioré. Il est moins moche, effectivement. Douille de 45. Ok. Douille de 50 abîmée. Alors, j'ai une douille. J'ai deux douilles de 5. Ah, j'ai une douille de 50. Cal. Ah oui, d'accord. Cartouche. Ah, c'est pas pareil, cartouche et douille. Donc, on va garder. Ok. Donc, j'ai une belle collection qui commence à être pas mal. Et donc. Les prochaines fois, donc on pourra continuer ici. Et j'ai pas assez de fric pour aller aux USA. Donc il faut un peu farmer la zone, tu vois. Et donc, est-ce que j'ai reçu des trucs notre bureau reçoit un message d'inscription de votre activité. Nous avons considéré ceci comme première étape vers l'exécution de la volonté de Sir Clapperton. Merci à tous. Ok. Re. Ok. Trouver des trésors. Trouver une balle de plomb. Ok. Bon bah c'est pas trop mal je trouve tout ça les amis. Ce petit jeu est pas dégueulasse du tout.
Tout, donc faut farmer un petit peu la zone, se faire du fric, ensuite tu pars de zone en zone. Alors je sais pas trop combien il y a de zones différentes, elles se débloquent au fur et à mesure de ton prestige, mais j'espère que tu peux aller un peu partout. Qu'il y en ait moins une 10 ou 15 quoi, histoire de conquérir le monde. Voilà, c'était Kaz sur ce jeu Treasure Hunter Simulator à retrouver donc sur Steam. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous trouverez d'autres liens importants, le Twitter, le Facebook. Instant Gaming, partenaire de la chaîne, Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. On se retrouve toute la semaine pour des vidéos test, news, gameplay et aperçus. Puis bien évidemment le samedi pour la Select Free to Play. A très bientôt, c'était Kaz, amusez-vous bien, bye tout le monde!